Frédéric Becbédé, sa femme Lara est enceinte, il révèle le sexe du bébé. Frédéric Becbédé a quitté Paris pour le Pays Basque, où il est installé avec son épouse Lara Michmi et leur fille Oena, 2 ans. Le romancier revient le 3 janvier avec Une vie sans fin, un roman dans lequel il trouve un remède à la mort. Dans le magazine Elle, l'ancien auteur parisien évoque ce nouveau livre, et sa vie auprès de son épouse et leur fille. La grande nouvelle étant que leur trio est sur le point de devenir un quatuor. À 52 ans, Frédéric Becbédé reconnaît qu'il est plus sympa de se rouler dans l'herbe avec sa fille que de se rouler par terre sur le dance floor du Montana, une boîte de nuit parisienne. Déjà père d'une grande Chloé, 18 ans, dont la maman est la comédienne et romancière Delphine Valette, Becbédé a de nouveau goûté à la paternité après son mariage avec Lara Michmi en 2014. Dans Elle, il révèle que son épouse est de nouveau enceinte d'une petite fille. Quand on lui demande comment il fait pour être toujours entouré de jolies femmes, j'ai trouvé la solution, je les fabrique, répond-il avec humour et sans doute pas mal de fierté envers Chloé et Oena. Je suis une usine à femmes. J'ai une femme que j'aime, bientôt 3 filles. Je suis comblé. Comme le note Elle, Frédéric Becbédé sera devenu papa à 2 périodes bien différentes de sa vie, au début de sa 30aine et de sa 50aine. Pour autant, il estime ne pas avoir été si différente avec son aîné et sa petite dernière, je ne crois pas, et je rends grâce à la garde alternée. À partir du moment où j'ai dû m'occuper de Chloé, mon aîné, 1 semaine sur 2, il a fallu que j'assure. Et, tous les deux, on s'est aidés. C'est peut-être le vrai sujet de mon livre, comment un enfant éduque son papa. Quand elle n'était pas avec moi, je continuais ma vie de fanfaron. Et quand elle était là, j'étais beaucoup plus sage. Une vie sans fin, édition Grasset de Frédéric Becbédé, le 3 janvier 2018. Elle, en kiosque ce vendredi 29 décembre 2017.